Coucou! Coucou tout le monde! Aujourd'hui, Fanny va vous montrer une astuce pour raviver les pare-chocs avec de l'huile. Et oui, pour même pas 1€ les loustiques! So, les cocos, il vous faut juste de l'huile, n'importe quelle huile, prenez la moins chère. Évidemment. Oui, ça marche que pour les pare-chocs dans ce style. Hein. Faites pas ça sur des pare-chocs blancs. Qui déforme en bas. Mais ça marche bien. Ouais. De ouf. À voir sur la durée. Après, je sais pas si déjà ils étaient au courant de cette astuce. Vous pouvez nous le dire en commentaire si vous saviez. Après, si vous voulez, chez Action, ils vendent des bombes genre de silicone. C'est exactement le même usage. On l'a acheté, nous, on l'avait déjà fait une ou deux fois. Ça coûte genre 2€ et ça marche grave bien aussi. Mais franchement, l'huile... Oh, on l'avait fait sur les rétros. Ça marche très bien aussi. Ouais, en parlant d'huile, je sais qu'il y a des gens qui roulent avec de l'huile de friture et maintenant c'est autorisé en France. Mais... Est-ce que c'est pas plus cher? Genre, comment déjà vous la produisez, vous la récupérez où en fait? Peut-être dans des restos ou des trucs comme ça, je sais pas. Et des friteries. Ça sent la frite. Parce que j'ai pas trop envie que ça sente la frite chez moi. Eh ben, je sais pas si c'est rentable au prix que c'est maintenant l'huile. Je sais pas, bah dites-nous. En fait, en gros, ça ravive. Hein. C'est pas comme si tu peignais à la bombe. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais bon, voilà. Au moins, c'est temporaire, c'est pas mal. Après, s'il pleut blindé et tout, ça va revenir comme avant. Hey, tu dis 1€, mais au prix de l'huile de tournesol, maintenant, c'est ouais, plus 1€. J'utilise pas la bouteille. Ouais, encore. Hey, la moto, là, on tourne. Merde. Vous appliquez en couche généreuse. C'est bien Mercant. Il est bien lustré. En fait, les gars, j'ai compris ça l'autre fois quand j'ai fait tomber du diesel sur le pare-choc. Je me suis dit, vas-y, en fait, le diesel, trop bien, ça ravive trop les pare-chocs. Mais en fait, le diesel, c'est juste de l'huile. Bah, c'est plutôt pas mal. Mangez pas des petites salades au diesel, hein, ça, non. On voit quand même la différence. Hein. Après, j'ai regardé sur internet, je me suis dit, vas-y, on peut trop mettre de l'huile en fait. Je crois que Comet a un message pour vous. Il est con, ce Georges. Ça lui refait grave une beauté, hein. Ouais. On dirait qu'elle est comme neuve. Ouais, je dirais pas ça non plus, mais... Voilà, quand vous voyez que ça s'estompe un peu, qu'il redevient un petit peu blanc et tout, les pare-chocs, bah, tu remets un petit coup dessus, quoi. Mais, je sais pas, tous les... Genre peut-être toutes les 2-3 semaines, je sais pas. On verra bien. Bah là, ils annoncent beaucoup de pluie, donc on va voir. C'est une femme à marier. Je suis déjà mariée, excusez-moi. Embrasse-moi, grande folle. Huile, huile, antenne. Ouais, ça change pas grand-chose, elle est vraiment trop bien. C'est cochon. Peut-être qu'on peut huiler les vieilles personnes. Oh. Pas mal. Elle est sexy, quand elle huile. Il est fourbu. Un petit chiffon. Un petit gobelet d'huile. Bon, c'est peut-être mieux de nettoyer le camping-car avant parce que là on l'a pas nettoyé donc. Faites pas ça. Fanny, elle a toujours des bonnes idées pour faire des économies. Moi je suis très économe, vous voyez. Non, mais c'est vrai que t'as pourquoi, des bonnes idées. Pourquoi dépenser quand on peut avoir gratuit ou pas cher? Il faut voir si ça dure. Mais oui, ça dure. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous, aimez nos vidéos, partagez-les, tout ça, on vous offrira de l'huile si on vous rencontre. Si on vous rencontre, j'huilerai vos pare-chocs à la perfection. C'est bizarre dit comme ça. Ya ya ya, c'est fini. Et calme-toi. C'est terminé maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Il est comme neuf. Dutch quality. Ya, Dutch quality. Arrêtez, on va repasser avec des Allemands. C'est à Winsberg en plus. Wins bing. Wins bing. Bing bing. Allez, abonne-toi.